Et nous revoilà. Salia, Oui. bonsoir. Merci Bonsoir. d'être là et de participer à l'émission. Merci pour l'invitation. Toi, je t'ai rencontré donc pour la première fois à Berlin, où on était toutes les deux. Tu ne faisais pas partie vraiment de l'équipe d'organisation, mais tu as participé donc aux ateliers de la journée de samedi. On s'est même vu le vendredi soir dans ce bar très bruyant où on avait très envie de parler et on commençait un petit peu à parler très fort. Et puis, tu as aussi participé au débat, à l'un des deux débats. J'aimerais bien déjà savoir ce que tu as retiré de ce week-end, de ce que tu as trouvé positif, est-ce qu'il y a des choses est-ce que ça t'a apporté des choses particulières, est-ce qu'il y a eu des manques, qu'est-ce que tu as pensé des échanges d'une manière générale? Bien, tout d'abord, j'en profite pour remercier encore une fois les organisatrices et les organisateurs. C'était un week-end vraiment qui nous a donné du baume au cœur, je crois, à tous ceux qui ont participé. Tout était parfait. Enfin, le local était très bien, la nourriture, l'organisation, les pauses café, voilà. La qualité des débats, la qualité des personnes invitées, la qualité des intervenants. Donc, c'était vraiment parfait, je dois dire. Merci à tous. Ce qui m'a plu, eh bien, c'est justement de rencontrer cet esprit très bienveillant, très constructif entre nous. Ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens et qui est extrêmement positif, hein. J'ai rencontré des personnes motivées, engagées, soucieuses que nous nous retrouvions tous autour de ces valeurs communes, hein, qui sont les valeurs de la gauche et de l'écologie, la solidarité, la bienveillance, l'émancipation. Donc voilà, il n'y a que du positif. Donc c'est un week-end vraiment très roboratif, avec des échanges intéressants. Et puis bien entendu, enfin, cette possibilité de vous rencontrer en personne, de rencontrer enfin en physiquement les personnes après la pause Covid imposée qu'on a eue. Donc ça, c'était vraiment remarquable. Et je crois que c'est extrêmement important de voir ce lien humain, physique, réel, pas seulement virtuel. Oui, c'est sûr que le Covid n'a pas aidé. C'est déjà une de nos grosses difficultés quand on est à l'étranger pour se retrouver, pas nécessairement avoir un entre-soi, parce que je crois que dans plusieurs endroits, il n'y a pas de frontière étanche entre la petite communauté française de la NUPES, disons, qui nous concerne plus, et puis le pays où on habite. Et justement, je t'ai pas vraiment présenté. Je crois que je vais avoir du mal parce que tu as, je crois, beaucoup de casquettes. Ici, justement, on avait particulièrement envie d'écouter ta voix parce que tu représentes la française qui est complètement intégrée aussi dans la vie politique allemande. Et on a l'habitude de dire oui, en France, tout tourne autour du pouvoir présidentiel. En Allemagne, il y a la proportionnelle intégrale, ça force à faire des coalitions et à mettre un petit peu d'eau dans son vin. Or, là, notre thème, c'est l'union. Et donc, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer un petit peu quels sont ces différents rôles? Et puis, tu es élu à Düsseldorf au sein de la C'est ça. coalition municipale. Et donc là, si tu pouvais nous parler de ton expérience là-bas, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal? Enfin voilà. Donc je te relancerai éventuellement Très s'il y a des choses. volontiers. Bien, effectivement, je suis très très bien intégrée en Allemagne, hein. Ça fait plus de 30 ans que j'y suis. Mon engagement, tout d'abord, il est associatif, que ce soit Greenpeace, que ce soit ATTAC, puisqu'on a une section ATTAC Deutschland, donc c'est là que j'ai beaucoup milité. Et puis j'ai rejoint les Verts, donc les Verts allemands, donc Bündnis 90 Die Grünen, en 2018. Et la raison, c'est que j'étais en Suède quand il y avait ces incendies de forêt, donc un petit peu pour l'historique, pourquoi les Grünen et pourquoi pas un autre parti, ça aurait pu être
Ah, ça a été coupé. Voilà, on est là. Non, non, tu bon, es là. Donc, les Grünen, en 2018, après, j'étais en Suède quand il y avait ces incendies de forêt, donc vraiment catastrophiques, où on voit vraiment physiquement le changement climatique. Donc, c'est là que j'ai décidé d'aller entre l'urgence climatique, l'urgence sociale. Bon, allons-y pour l'urgence climatique. Donc, j'adhère aux Grünen. Et j'ai été élue en 2020, donc sur la liste des Bündnis 90 Die Grünen, donc les Verts allemands. Pour ceux qui ne connaissent pas Bündnis 90 Die Grünen, sont les écolos, les Verts allemands, issus de la fusion, si vous voulez, entre les Verts de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est. Bündnis 90, c'était plutôt à l'Est, l'Allemagne de l'Est, et puis Die Grünen, donc à l'Ouest de l'Allemagne. Voilà. Voilà, et nous sommes, voilà, en Allemagne, il faut savoir que c'est une république fédérale, donc il y a 16 Länder, et chaque Länder, finalement, peut avoir la coalition, la coopération, ben, qui sera élue du scrutin. Donc, il se trouve qu'en NRW, qui est quand même un gros land, puisqu'on a plus de 18 millions d'habitants en NRW, Düsseldorf en est la capitale, lors des dernières élections régionales du land, c'est aussi une coalition conservatrice verte qui est au pouvoir. C'est la même chose. Alors, pardon, une petite seconde. NRW, pour les gens qui ne connaisseraient pas, ce n'est pas que tu es NRW. c'est Nordrhein-Westfalen. Ah, oui. C'est donc la Westphalie, le nord du Rhin. Donc, c'est le nord-ouest de l'Allemagne, plus voilà, ou moins. Voilà, c'est la Rhénanie du Nord-Westphalie. Donc, c'est l'Allemagne de l'Ouest. Voilà, c'est le grand centre, ancien grand centre industriel de la Ruhr. Donc, c'est une grosse région industrielle, ou NRW, voilà. Nordrhein-Westfalen. C'est le land dont Düsseldorf est la capitale. Voilà. Et donc, il y a 16 Länder en Allemagne. Voilà. Vous savez aussi qu'au niveau fédéral, au niveau de l'Allemagne, du pays allemand, c'est aussi une coalition qui est au pouvoir. C'est un feu tricolore, c'est-à-dire avec un chancelier SPD, donc socialiste, qui est en coalition avec les Verts et les libéraux. Nous avons les conservateurs qui sont dans l'opposition au niveau fédéral, donc de toute l'Allemagne. Et puis, en fonction des 16 régions, eh bien, il y aura une coalition différente au pouvoir. Et dans ma région, donc la Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est une coalition conservatrice écologique. Donc, noir-vert, comme on l'appelle. Voilà, donc ça ne doit pas être facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Et moi, je suis au niveau, donc moi, je suis élue au niveau de la ville de Düsseldorf, au niveau municipal. D'accord. Et là aussi, donc ça peut varier selon les villes. Là aussi, les configurations varieront. Et nous sommes à Düsseldorf ville. C'est une ville de 650 000 habitants. Nous avons une coalition, là aussi, conservatrice verte. Donc, noir-vert. Donc pour la ville de Düsseldorf. Et je suis membre du conseil municipal de la ville de Düsseldorf. Et c'est vrai que et la ville sortait d'un feu tricolore, puisque le maire précédent était SPD, donc socialiste, et il avait formé une coalition à l'époque avec les Verts, avec les écolos et les libéraux. Voilà, donc en Allemagne, on a la tradition donc de donner une couleur à chaque parti, et c'est comme ça qu'on nous parle de coalition feu tricolore, coalition jamaïcaine, selon les couleurs, et on associe à un drapeau, à un ceci, cela. Mais donc, c'est un petit peu contre nature, enfin, l'image qu'on a des Verts allemands, alliés aux conservateurs, ça ne doit pas être tous les jours évident. Donc, comment ça se passe? Est-ce que c'est frustrant? Est-ce qu'il y a quand même des succès, des moments où vous devez faire des gros compromis? Parce que c'est aussi quelque chose qui peut être problématique en Allemagne, parce que si un parti est conduit à faire des compromis qui vont trop loin, qui deviennent un peu trop des compromissions aux yeux des électeurs, il perd son prestige. On va dire, mais pourquoi voter pour les Verts s'ils ne font pas une politique telle qu'elle est définie dans leur programme? Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est tout à fait vrai, effectivement. Alors c'est
L'Allemagne a cette tradition de coopération, de coalition, c'est-à-dire qu'on prend le résultat qui sort des urnes et on essaye de… Donc, le parti qui a le plus de voix est celui qui prend la, qui a la main le premier et qui essaye de trouver quelqu'un avec qui il pourra former une coalition, une coopération. Voilà, donc pour nous à Düsseldorf, eh bien, c'est la, ce sont les conservateurs qui sont arrivés premiers. Donc, et eux, à Düsseldorf, ce qui était intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas le choix d'une autre coopération. En fait, ils ne pouvaient avoir, puisqu'on est, il y a 90 conseillers municipaux, et la CDU en a 30. Il faut avoir 45 sièges pour avoir le, pour avoir la majorité. Voilà. Et ils ne l'avaient qu'avec les Verts. Donc, on était quand même dans une situation un petit peu plus favorable, puisque nous, en théorie, les Verts, qui sommes arrivés deuxième, nous aurions pu avoir une coopération, une alternative, disons, de l'autre côté, mais avec une fragmentation des partis politiques. Donc, ça aurait été plus difficile à gérer, peut-être. Et puis, très clairement, le maire, il faut savoir que, en tout cas, dans le Land, le maire est élu directement par la population et c'est un maire conservateur aussi. Donc, il y avait cet avantage. Il y a 90 plus 1. Donc, il y avait une voix, finalement, qui nous manquait. Donc voilà. Donc et puis je crois que c'était dans l'air du temps aussi. Très clairement, c'était dans l'air du temps. C'est cet esprit de coopération entre les conservateurs et les écologistes. C'est ce que demandaient les électeurs. Donc l'écologie a marqué beaucoup de points. Je sais qu'à Düsseldorf, on a doublé le nombre de conseillers municipaux. Au niveau du Land aussi, ils ont fait un très très bon score. Donc il y a une très clairement, on pouvait pas exclure les Verts, les écolos du gouvernement. Bon après, voilà, il faut trouver un accord. Et ça se passe de la façon suivante en Allemagne. Donc avant, les partis se réunissent et le processus peut prendre un mois, deux mois, trois mois. On prend le temps qu'il faut, mais on a une discussion chapitre par chapitre. Grand dossier par dossier, et on se met d'accord. Et c'est ce qu'on appelle un accord de coopération. Donc, on se met d'accord sur le programme, en gros, qui sera mis en œuvre pendant la législature, pendant la mandature. C'est d'accord. Comme ça que ça donc, passe. C'est pas dit, au coup par coup. Il y a un cadre fixé dès le départ. Il y a un cadre très détaillé qui est fixé au préalable. Alors, de toute façon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pendant la campagne municipale, les conservateurs ont dit clairement qu'ils souhaitaient une coopération avec les libéraux. C'est quand même leur partenaire favori, quels que soient les niveaux. En tout cas, dans mon Land, en Rhénanie du Nord-Westphalie, que ce soit au niveau de la ville, de plusieurs villes, au niveau du Land, ils l'ont dit clairement, le partenaire favori, c'est quand même les libéraux. L'électeur en a voulu autrement. Donc, c'est un mariage de raison. Les Grunes aussi, les Verts le disent aussi. C'est un mariage de raison. On va voir ce qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, on négocie un accord de coopération, point par point. Et après, on verra. Le souci, c'est que dans ces accords de coopération, le libellé peut parfois porter à interprétation. C'est même voulu, c'est même inévitable. C'est oui. Ensuite dans le travail au quotidien que bien que les choses se précisent ou que les points d'achoppement viennent à la surface. Oui. Alors oui, donc là vous êtes dans une situation un peu inconfortable donc d'alliance un peu de la carpe et du lapin quand même. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a quand même une écoute, une vraie écoute mutuelle, ou est-ce que c'est vraiment simplement mettre ses pions et essayer de tirer son avantage au maximum? Parce qu'on pourrait dire quand même que même en étant de droite, on peut aussi avoir des préoccupations écologistes. Ça, c'est pas. Donc, il y a quand même. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des vrais accords où vous vous retrouvez sur les principes? Des moments où tu te dis là quand même ça vaut bien le coup, on a obtenu quelque chose de bien et... Alors, bien sûr difficile c'est très difficile parce que très franchement j'ai réfléchi un petit peu quel est le bilan des maintenant quasiment 3 ans qu'on travaille ensemble. Les points positifs, les points négatifs, je dois dire que les points positifs, ils sont en nombre très limité et
Ce sont des éléments qui sont assez consensuels, on va dire, ou qui avaient déjà été mis en œuvre par la mandature précédente, qui était déjà finalement dans les pipelines. Je vois, moi, plus de points négatifs, plus de points où finalement les divergences se prononcent. Quelques exemples, si vous voulez. Alors là où ça marche à peu près bien, c'est effectivement tout ce qui est efficacité énergétique, rénovation des bâtiments. Ça marche bien. D'autant plus qu'il y a des fonds, des subventions à aller chercher, que ce soit au niveau fédéral, oui, au niveau du Land. Donc là, on est très largement d'accord et ça se passe bien et on comprend bien. Même les conservateurs ont compris que c'est plutôt quelque chose de bien à faire. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Tout ce qui est rénovation des bâtiments, des écoles en particulier, ça se passe très très bien, mais ça découle d'engagements ou de projets qui avaient déjà été mis dans les pipelines par la mandature précédente. Donc on investit beaucoup dans la rénovation des écoles qui avait été vraiment négligée pendant des années, hein, les infrastructures publiques pour lesquelles la commune est responsable, les écoles en particulier, sont parfois dans des états de délabrement, y compris à Düsseldorf, réputée ville quand même assez aisée. Donc je dirais que là, ça se passe assez bien. Les panneaux solaires, ça se passe bien. Donc là, c'est largement consensuel. Le numérique, même si on peut avoir donc là, le numérique, l'importance de numériser l'administration, et là, on avance à coups de millions. Donc, il y a largement consensus. L'économie, l'importance de l'économie, de l'implantation d'entreprises, etc. Largement consensus. En revanche, c'est quand il faut opérer des arbitrages. Alors, un gros problème qu'on a à Düsseldorf, c'est le problème, par exemple, du logement. C'est le cas de beaucoup de grandes villes en Allemagne. Je sais qu'à Berlin aussi, la situation s'est beaucoup détériorée. Logement cher, pénurie de logements. Il y a des personnes qui ne peuvent plus se permettre d'habiter à Düsseldorf, tellement les loyers sont chers. Il y a une forte spéculation, c'est un marché fortement spéculatif, il y a une forte bulle spéculative. Nous avons maintenant au moins 7 gros chantiers qui sont à l'arrêt, parce que, étant donné qu'il n'y a plus les taux de rentabilité escomptés par les fonds d'investissement, eh bien, ils sont mis à l'arrêt, ce qui pose problème à la commune. Et là, finalement, ce qui pose problème à la commune, parce que ça fait des chantiers en jachère ou arrêtés, des factures d'entreprises, surtout des petites entreprises locales qui ne sont pas payées, etc. Donc, il y a de gros problèmes. Non ? Et là, on arrive aux limites d'une politique qui a été voulue et qui a été largement défendue par les conservateurs en particulier. Nous, a priori, on était plus favorables à créer du logement social, mais ce sont des projets maintenant qui ne se mettent pas en place du jour au lendemain, ou pas même sur une mandature. Ça prend beaucoup plus de temps de faire tout ce qui est urbanisation, les deux. Enfin, c'est du long terme. C'est du long terme, voilà, c'est du moyen, voire long terme. Donc là, c'est le premier point où je pense qu'on arrive à nos limites. Je sais qu'il y a encore quelques mois, on nous vendait un super… Ben justement, là, il y a un point où ça a chopé, où la coalition avec les conservateurs a chopé, c'est la construction de l'opéra. Düsseldorf veut se doter d'un nouvel opéra, détruire l'ancien et faire un truc hyper… vraiment un bâtiment gigantesque qui va coûter… prévision actuelle 1 milliard, mais ça sera certainement plus. Et c'était dans le projet de coopération et les Grunes l'ont décidé que non, compte tenu de la situation économique, compte tenu de la situation sur de la guerre en Ukraine, les finances, le budget ne permet pas. Enfin, il y a eu un effondrement des recettes fiscales pour la ville. Donc on a dit on stoppe ce projet. Et la coopération a failli exploser à cause de ça. Mais elle tient encore. C'est la raison, mais je vous dis, les conservateurs n'ont pas le choix en fait. Hein. Les conservateurs, on n'a pas d'autres options. Ils n'ont pas suffisamment de voix. Oui. Justement, dans le chat, on nous demande on pose quelques questions sur ce système de coalition. Quelqu'un qui dit que il y a parfois des partis faiseurs de rois comme le FDP qui semble n'avoir pas, alors là c'est plutôt au niveau national, si j'ai bien compris, qui n'a pas de
beaucoup de voix et pourtant beaucoup plus d'influence que son nombre de voix. Mmh. Et puis, question connexe, est-ce que c'est possible de ne pas avoir de ne simplement pas de trouver de coalition? Moi, je me rappelle de l'exemple de la Belgique qui a passé plus d'un an sans gouvernement et où est le problème? Et puis, je crois qu'on nous demandait aussi, est-ce qu'à ton avis, le système allemand est plus démocratique que le système français, c'est, avec tous les présupposés qu'il peut y avoir dans cette question? Mais est-ce que c'est possible de répondre? Enfin, en tout cas, ton avis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? Effectivement, il peut y avoir des partis faiseurs de rois, et effectivement, historiquement, et avec le recul, la FDP, c'est parfaitement bien, enfin, les libéraux, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, oui, la FDP, les libéraux allemands jouent parfaitement ce rôle, hein, sont passés de l'un à l'autre parfois, mais surtout, ils sont passés maîtres dans l'art de vendre leur peau très très cher, c'est-à-dire d'obtenir le maximum et eux, au contraire, de céder le minimum. Et ça, c'est ce qu'ils font au niveau national, effectivement, au niveau fédéral de l'Allemagne. Quand ceux qui ont le plus de problèmes, ce sont les socialistes et puis beaucoup, malheureusement, les écolos, hein, les verts, dont on dit qu'ils avalent une couleuvre après l'autre. Par esprit de soyons raisonnables, essayons de trouver une solution. Alors, je pense que ça a des limites. Personnellement, à mon avis personnel, je pense qu'il y a un moment où il ne faut pas passer de compromis en compromis et en compromission. On y perd son âme, on y perd toute visibilité vis-à-vis des lecteurs. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui quittent les Verts, les sondages les donnent avec des scores moins favorables que la dernière fois. Donc ça, c'est un gros problème, et voilà, donc ça, ils devront en tirer, j'espère, les conclusions qui s'imposent, tout en sachant, oui, que bon, le cadre international, l'énergie, etc., ça n'est pas simple, il faut trouver des solutions, mais… Oui, alors, est-ce que le système français ou allemand est plus démocratique l'un que l'autre? Je ne pense pas, je pense que chaque système a sa logique interne. On a peut-être moins en Allemagne cette valeur de gauche-droite. C'est moins prononcé, ou en tout cas maintenant, c'est vrai qu'avec le gouvernement Schröder, il y avait quand même cette alternance conservateur-travailliste ou sociodémocrate qui s'est, oui, je crois, un petit peu estompée. On n'a pas la même notion de la gauche et de la droite. C'est vrai que quand j'en parle avec mes amis allemands, ils ne comprennent pas trop ce qu'on entend par ça. Hein, alors que pour nous, Français, elle est plus marquée, cette tendance. Ça renvoie pour nous à des valeurs, ça renvoie à certaines… des valeurs, c'est le meilleur mot, je crois, qui me vient. Qui sont plutôt de droite ou qui sont plutôt de gauche, pour le coup. D'accord. Eh ben, en tout cas, on a vraiment besoin de ce genre d'éclairage pour mieux comprendre ce qui se passe, et justement comment il n'y a pas forcément de système idéal, mais comment bien faire vivre un système. Alors, pour revenir quand même à notre thème. Oui, pardon. Peut-être encore un point qui est intéressant, donc pour montrer les, oui, limites des accords de coopération ou de coalition. La deuxième grosse pierre d'achoppement, eh bien, c'est tout ce qui est mobilité. Là où le bilan est extrêmement négatif avec nos amis ou avec nos partenaires conservateurs, puisque alors les grands discours dans la coopération, dans l'accord de coopération, on parle d'une ville viable, enfin pour les citoyens, verte et adaptée au changement climatique et blablabla et blabla. Donc tout y est dans les textes, mais après quand il s'agit, comment on fait? Oui. Donc soutenir davantage les pistes cyclables, soutenir davantage réduire le parc de stationnement. Et là c'est un blocage, c'est un niet parce que bon, ça, c'est la population de Düsseldorf, les électeurs aussi qui sont tout de suite, ça monte au créneau. Donc là, c'est un gros problème. On a voulu, par exemple, augmenter le tarif des places de stationnement pour les riverains, c'est l'ordre de 30 euros par an, hein, pour les zones pour lesquelles c'est prévu. C'est même pas dans toute la ville, hein, c'est seulement pour les zones pour lesquelles c'est prévu, 30 euros par an. Donc on a voulu
revoir les prix à la hausse en disant que ben, c'est de l'espace public qu'il faut le facturer, que tout a un coût. D'autant que les promoteurs immobiliers, en Allemagne, il suffit, enfin à Düsseldorf, il suffit de payer, je crois, c'est 10 000 euros pour ne pas construire une place de stationnement qui devrait aller avec un logement. Voilà, normalement, lorsque vous construisez des logements, il faut aussi prévoir les places de stationnement ou de parking qui vont avec. Sauf à payer une somme pour se dédouaner de, enfin, pour ne pas avoir payé, les construire. Et on constate que ça se fait de plus en plus. Donc, voilà, y a, forcément, c'est beaucoup moins cher de payer la petite taxe, je crois que c'est 10 000 euros, un truc comme ça, à la ville, et on a que de construire une place de parking. Donc le problème, il s'envenime, le problème de parking, de stationnement, il est de plus en plus grave. Et là, c'est un niet, voilà, donc là, c'est, on va voir ce que ça va donner. Mais on est en combat. Mais oui. Voilà, les grands discours, enfin les grandes déclarations, l'accord de principe, oui, mais après, ça ne mange pas de pain, parce qu'effectivement, dans la réalité, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'il faut... Voilà. Et là, justement, on touche à un point. Donc là, si je reviens à la NUPES, je dirais que la spécificité de l'accord de la NUPES, c'est quand même, je crois, 600 et quelques mesures extrêmement précises et discutées, justement, je pense, dans l'idée d'éviter ce que tu dis, qu'on a un bel accord de principe avec des phrases comme ça, mais qui, quand il s'agit de les appliquer concrètement, sont sujettes à trop d'interprétations et laissent trop d'échappatoires. Et là, je pense que c'était l'idée de justement de pas laisser d'échappatoires, avec une certaine honnêteté, parce que il y a aussi les points de désaccord qui ont été actés. Et qui ont été formulées clairement, ça n'est pas, on met ça sous le tapis, mais je trouve donc cette démarche quand même assez intéressante. Et donc pour revenir sur ces rencontres de la NUPES, on a là un cadre qu'on peut tout à fait vouloir faire évoluer, parce que quand même il a été réglé en 2 semaines, il me semble. Ce serait tout à fait justifié de rediscuter des points, mais quand même un cadre précis qui est posé. Et donc, si on veut faire vivre cette union, ne pas casser l'espoir, quelle serait la meilleure façon? Moi, je rêve de continuer une union où les points de désaccord, qu'ils soient des désaccords de fond ou des désaccords stratégiques, comment s'y prendre, qu'ils nous servent plutôt à nous compléter les uns les autres qu'à nous tirer dans les pattes, comme ça a l'air d'être la mode en ce moment. Donc, ton impression là-dessus, puisque tu connais les deux systèmes, les deux fonctionnements. Je crois que c'est tout à fait juste ce que tu dis. Je pense que à partir du moment où on a un socle de valeurs communes, c'est vraiment le mot, c'est les valeurs communes. Et je crois que c'est ce que nous avons en partage à la NUPES, avec toutes ces variantes. Ce que je dirais, nous n'avons pas avec la CDU. Pour moi, être en coopération avec les CDU, c'est évident. Donc forcément, c'est un mariage de raison. Et finalement, on se retrouve avec quelque chose de minimaliste. Donc, pour moi, c'était voué à l'échec. Donc, et nous sommes quand même quelques-uns à le penser, mais bon, voilà le mandat qui nous a été donné par les électeurs. Donc, on fait avec, on va voir jusqu'où on peut aller ou jusqu'où on ne peut pas aller. Et on va voir quel petit. Bon, c'est du communal, c'est du municipal, donc ce n'est pas de la grande politique, mais quand même. Donc, là où je vois une grande différence, c'est que nous, à gauche, dans la NUPES, avec toutes ces variantes, on a vraiment un socle de valeurs communes, d'objectifs communs, et ce que nous ne partageons pas, là où il peut y avoir des nuances, là où nous sommes, en désaccord, on peut l'acter, on peut en prendre acte et nous enrichir, effectivement, comme tu le disais très justement, Christine, ça ne doit pas nous diviser plus avant. Oui. Et c'est ce que je retiens donc de nos rencontres à Berlin, cet esprit bienveillant d'aller sur ce que nous avons en commun, ce que nous avons en partage,
les valeurs que nous portons autour de l'émancipation, autour de la justice sociale, autour de la justice climatique. Donc, toutes nos nuances. Et que la NUPES, c'est bien plus qu'effectivement qu'un accord électoral pour une élection de surcroît. Ça n'est pas ça du tout. Ça va bien au-delà. Et c'est le mot qui a été rappelé ou répété par plusieurs, c'est de l'espoir. Mais un vrai espoir. Moi, c'est l'espoir. Il est concret, il est étayé. Et il faut continuer à le nourrir, nous rencontrer, échanger, dissiper parfois des malentendus, parfois nous avons des divergences parfois personnelles qu'il nous faut dépasser pour et nous tourner plus vers l'avenir, vers devant. Voilà, essayer de ne pas se focaliser sur les petits trucs qui peuvent fâcher, irriter. Mais s'il y a un désaccord de fond sur un point précis, le mettre posément, vu de l'étranger, pour nous, il y a quand même quelques scènes qui sont un peu désolantes sur les querelles picrocollines des Parisiens. Voilà, on aimerait vraiment faire vivre cet espoir. Écoute, Salia, ça m'a fait d'abord très plaisir de te rencontrer en vrai là-bas. Et puis aussi, je suis heureuse que tu aies pu participer à l'émission de ce soir et nous expliquer plaisir. Tout le dédale des... Il y a encore beaucoup à dire. Il y a toujours... Je suis toujours les coopérations dans certains lenders, comme vous avez peut-être suivi en S, hein, puisqu'il y avait une coopération conservateur-vert, et donc les conservateurs ont lâché les écolos pour faire une coopération avec la SPD. Donc voilà, ça peut aussi voler en éclat, oui. Évoluer. D'accord, oui. C'est vrai que même à Düsseldorf, on a pu, sur les points qui n'étaient pas en coopération, faire voter des choses avec notre coopération pour laquelle on a, nous, une alternative. Donc, il y a eu quelques fois où nous avons remporté des voix contre les conservateurs. Donc, ça, c'est possible. Eh bien, bravo. Il faut se battre. Merci beaucoup, Salia. Merci à toi, merci. Au revoir. Merci à toi, Salia. Au revoir. Merci. Et je vois que Mathias, attends, je crois que ton micro n'a pas mis son micro, voilà. Je pense que tu vas nous annoncer la prochaine vidéo, c'est ça?